Ami du petit atelier, bonjour. Sur un papier canson satiné pour aquarelle, je pose une bande d'adhésif qui va délimiter l'horizon du ciel. Alors pour le ciel, je vais utiliser un bleu cobalt très profond et je badigeonne abondamment. Comme mon papier est sec, je mets beaucoup beaucoup d'eau sur le pinceau. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Et voilà pourquoi, maintenant, regardez, je vais tamponner, comme ça, voilà, je vais tamponner mon ciel et je crée mes nuages. Maintenant que les nuages sont faits, je vais mettre un peu d'ombre en dessous. Marquer le dessous des nuages pour bien faire ressortir les nuages du ciel. Et je commence à mettre la ligne d'horizon. Détache très délicatement le dessous et vous allez voir que la ligne d'horizon apparaît parfaitement, la couleur n'ayant pas du tout touché le papier en dessous. Je redonne un peu de volume au nuage. Plus les nuages sont loin, plus ils sont petits. Pour la mer, je badigeonne abondamment avec un pinceau, encore une fois, très mouillé. Je mets un turquoise. Pour les vagues, je prends un scotex et regardez ce que je fais, je griffe légèrement la mer avec mon scotex pour boire un peu de pigment.
Je fais des lignes noires un peu à la louche. Donner justement les nuages qui sont reflétés par la mer. J'ai pris un scotex, donc le dessin du scotex apparaît, mais c'est pas grave, je vais en faire un peu d'eau. Voilà. Alors les petits bateaux, je prends je laisse sécher un petit peu et là j'ai pris un pinceau fin avec beaucoup de pigments et mon pinceau est très peu mouillé pour bien marquer comment dire pour bien marquer quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus détaillé. Les bateaux évidemment vont donner toute la vous donnez toute la profondeur à la mer, vous lui donnez surtout sa perspective. C'est marquer l'horizon un peu plus fort pour ne pas que mon aquarelle ait comme cette impression comme ça de fondu sur fondu, redéterminer, redonner d'horizon. Alors, c'est toujours très beau quand on retire et qu'on voit le bord complètement immaculé de l'aquarelle. Voilà l'aquarelle finie.
Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aquarelle.